يعبونه احنا راح يعبونه ويجون. ما دخلتوا شيء؟ بس هذا اول واحد دخل. La procédure a commencé à Munich, au point de départ, où les équipes de l'OFPRA et de l'OFI étaient présentes, où les officiers de protection de l'OFPRA ont pu vérifier que ces personnes relèvent bien du droit d'asile, parce qu'elles sont syriennes ou irakiennes et qu'elles fuient la guerre et les persécutions. Et cette vérification très précise a été effectuée. Et ici, il s'agit de finaliser des formalités à travers notamment l'établissement de l'état civil de ces personnes pour prendre la décision formelle au plan juridique qui permet de déboucher ensuite sur le titre de séjour et la possibilité d'accéder au travail notamment. Nous sommes dans des délais très rapides. Le président de la République a voulu que l'OFPRA intervienne en 15 jours, c'est ce que nous faisons. Et dans un délai d'un mois, l'ensemble des formalités seront établies, elles seront complétées dans le lieu de résidence définitif de ces personnes. Ce sont 600 personnes que nous avons bien identifiées à Munich comme étant des réfugiés relevant du droit d'asile, qui sont aujourd'hui dans différents centres d'hébergement pour l'essentiel en région parisienne et qui font l'objet de ces démarches de manière à ce que leur situation puisse être rapidement stabilisée. Et nous sommes très frappés et très impressionnés par la mobilisation des populations autour de ces centres qui viennent les aider, qui viennent les voir, et donc il faut que l'administration soit à la hauteur. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici sans attendre.